Offrande du jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, au commencement de ce jour nouveau que le Seigneur nous a accordé, offrons-lui cette journée, offrons-lui notre journée. Disposons-nous pour l'action de grâce. Père, je viens devant toi et je prie pour tes conseils et ton aide dans ma recherche du travail. Je sais que c'est toi qui décides quand je peux trouver un travail et quel genre de travail je peux avoir. Je suis prêt à te confier tout parce que tout ce que tu prépares pour moi est le meilleur. Je crois que tu révéleras tes actions en ton temps, car tu es le Dieu, lui-même fidèle, ayant l'autorité. Amen. Dans le silence du cœur, engageons-nous en prenant des résolutions. Et maintenant, le psaume 84. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? Ensemble, disons la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que l'intercession de la Vierge Marie nous soutienne également en ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions.
par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.